Hey, salut tout le monde, c'est Nos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Déjà, je voulais vous remercier parce qu'à l'heure, au moment où je tourne cette vidéo, on approche grandement des 300 abonnés sur la chaîne. Et comme j'ai toujours dit, j'aurais jamais pensé déjà avoir autant d'abonnés. En plus, la vidéo de dimanche dernier a été un peu référencée par YouTube, donc ça a augmenté un petit peu, ça fait plaisir. Voilà, je tiens à vous remercier. Si d'ailleurs vous voulez rejoindre le Discord de la chaîne qui est en description, on fera sûrement un événement pour les 300 abonnés, hein, un Bed Wars ou quelque chose comme ça, un mini-jeu tous ensemble, histoire de passer une après-midi, un soir ensemble, et puis s'amuser tous ensemble en vocal sur le Discord. Donc si vous voulez rien louper, bah n'hésitez pas à venir sur le Discord. On est quand même nombreux, hein, on est une bonne quarantaine si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez passer discuter avec nous, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Holy Sky. On va faire un tour du serveur. Pourquoi on va faire un tour du serveur? Il y a quelques semaines, j'ai voulu rejoindre Holy Sky pour avoir un nouveau contenu sur la chaîne. Mais après réflexion, non pas que le serveur me plaisait pas, mais je voulais faire autre chose que du Skyblock. C'est pour ça qu'on est parti sur la série Survie. Mais du coup, le staff m'a quand même recontacté en disant bah, est-ce que tu voudrais pas à minima faire la présentation du serveur? Et vu que je le trouvais sympa, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc je me suis dit que je pouvais vous le proposer. En plus de ça, on va y revenir après, mais va y avoir un concours avec cette vidéo, un concours de likes, mais on en reparle un petit peu après. Comme ça, on va découvrir ensemble la zone tuto. Au spawn, on fera un tour au spawn et puis forcément on créera notre île pour voir un peu le début, tout ce qui est les menus, les quêtes, les choses comme ça. Mais on va d'abord commencer par faire un petit tour du hub, bah de la zone tuto, et puis voir ce que le serveur propose. Donc forcément, on a bah, la partie création d'île, hein, ça comme c'est un skyblock, pas de mystère. Donc on a les grades, donc on a le grade elfe, sage, mage, chaman et merlin, ok. Donc moi pour la vidéo forcément on m'a donné le grade youtubeur, donc qui est l'équivalent du grade sage. Donc si je me trompe pas, sage, donc voilà. En gros, les grades sont intéressants puisqu'au fur et à mesure qu'on avance les grades, on débloque aussi des métiers. Donc par défaut on a le métier agriculteur, donc l'agriculture. Moi là j'ai accès aux métiers mineurs, on les verra après les métiers, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans nos grades, on a vraiment une plus-value de pouvoir augmenter des nouveaux métiers et, je le suppose, avoir des nouvelles récompenses en fonction de ces métiers. Ça, c'est plutôt intéressant. Après, ne connaissant pas encore l'économie du serveur, on va dire, à 35 millions, je sais pas si c'est cher. Je me rends, bah sûrement, forcément, mais je j'arrive pas à me rendre compte de, bah, si, je sais pas si je fais un slash A, combien se vend. Ouais, à mon avis, ça fait cher parce que pour voir des spawners, moi c'est peut-être même c'est des spawners à vache, mais 35 000, ouais, c'est pas excessif. Donc je pense que 35 millions doivent être difficiles à avoir et à mon avis, il faut bien farmer, mais ça peut être un beau challenge, hein. Moi, je trouve des fois, vaut mieux avoir un truc bien difficile et qui donne envie de poncer le truc pour pouvoir charbonner. Et ouais, je pense que ça peut être aussi bien. Évidemment, on a des events tous les jours sur le serveur. Ce qui est intéressant et qui se différencie des autres avec celui-là, c'est que les events sont pas, on va dire, des tournois journaliers qui durent 24 heures de minuit à 23h59, mais qui sont plutôt des événements à une période définie. Comme là, par exemple, on a un boost de farm entre 20h30 et 21h, donc ça, on peut au pire le retrouver sur d'autres. Mais par exemple, on a voilà, là pendant une heure. Faut faire le plus de récolter le plus de culture. C'est à 17h30 et voilà, c'est pas toute la journée, faut farmer du blé par exemple ou choses comme ça. Donc ça peut être intéressant et avoir des gens qui viennent à plus ou moins certaines heures et pas avoir quelqu'un qui ponce des minuit jusqu'à 6h et puis qui est potentiellement rattrapable dans le reste de la journée parce que bah il continue de foncer le truc quoi. Donc ça permet peut-être, à mon avis. Je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que ça permet de la rendre accessible à tous. Voilà. Donc on peut pêcher, on a un tournoi de poisson à 16h qui dure 15 minutes, donc ça c'est assez rapide. On a les horaires des événements, donc il y a le planning, et puis une piñata à 16h30, ok. Et puis bah forcément les votes, hein. Donc on a, comme sur tout Skyblock, un hôtel des ventes, c'est là qu'on a vu du coup. Ouais, ok, donc là on a les fameuses choses un peu. Cheat entre guillemets, mais que tout le monde veut.
Effectivement, là, le tarif est un peu cher. Comparé à ce qui est vendu d'autres au shop, là, paraît cher. Mais par contre, bah voilà, c'est les fameux items, quoi. Pas de mystère. Ok. Ah oui, et donc on a des grimoires, quoi, qui... Ok, très bien. Les grimoires, donc, qui sont sûrement des tâches, ouais, c'est ça, donc... Casser 2430 de sable, et on a une durée de validité. Ok, très bien. On a le magasin. Ah, je veux bien voir ce qui se vend en bloc. Donc ça, tout ce qu'on peut farm, tous les drops de mobs, les blocs. Obsidienne. Ah, la roche noire. Vous savez, hein, moi je cherche toujours ce bloc-là. C'est mon bloc préféré. Ok. Non, c'est bien complet, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal en divers. Bon, bah forcément, on doit avoir... Oh, on a même les colorants. Ça peut être intéressant. La nourriture, évidemment. Ah, il y a une partie de choses... certains... Ah oui, ok. À mon avis, on peut avoir accès au stuff qu'on a vu dans le shop. Pas dans le HDV. En sans le HDV, mais par ici, je pense. Magique, ouais, c'est ça, ok. Et puis les générateurs, donc moi j'ai le grade sage, donc ça veut dire que je peux acheter des spawners. Donc là, on a les spawners à poulet, ok. Enderman, Creeper, squelette. Comment ils font de l'émeraude alors? Ou alors, il y a un. Avec des encens, non? Slash. Oui, puisqu'en fait, il y a des encens sur le serveur. Donc j'ai zéro encens. Je fais un sans shop. Oh, c'est pas. En fait, je me demande où s'achètent, on va dire, plus les. Il n'y avait pas énormément de spawners. Si... Est-ce qu'il y a des spawners qui sont propres à la. Dédiés à la. Aux farms de blocs, on va dire. Pour les niveaux deal. Je sais pas. On verra. Peut-être qu'on va découvrir. Donc, évidemment, on a toujours les fameux de redstone et certaines potions qui ne sont pas craftables. Potion d'invisibilité, c'est une bonne chose parce que des mecs qui se baladent sur nos îles en invisible, c'est chiant. Oui, ça, je trouve ça génial. Donc on a des prestiges sur le serveur et donc des prestiges, ça permet d'avoir donc comme on le voit dans le tab là, on a des préfixes donc avec les en gros le où en sont en prestige les joueurs. Je sais pas si on a des prestiges. Oh, ouais, y a un admin. Alors admin, je sais pas si ces prestiges sont dus aux farms. Mais on en voit, il y en a qui sont niveau 8. Donc à mon avis, donc là on a tous les prestiges, donc ça veut dire que... Ah oui, ok, on en a jusqu'à 20. Et donc en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut, on a une pseudo nouvelle sorte de quête, c'est qu'au final on a ces grimoires, on a les prestiges et donc on doit faire 5 grimoires, voter 3 fois, donc moi j'avais déjà voté un petit peu, jouer 30 minutes. Avoir de l'argent, récolter du blé, et du coup forcément de plus en plus c'est difficile, donc avoir les niveaux deal, mais du coup il y a aussi, voilà, on peut avoir des boosts de vente, on a accès à du fly, on a accès au grimoire légendaire, on a des tickets de mine, ah oui puisque il y a, pour aller dans une mine, si j'ai bien compris, il faut des tickets de mine qui s'achètent avec des encens, encens étant, et là, étant la monnaie du serveur on va dire, qui est pas l'argent tout court. Ok, donc ça, moi, ça, c'est vraiment ça, là, ce que je trouve le plus intéressant. Bah, ouais. En fait, ça ajoute un type supplémentaire de quête, et c'est vraiment cool. Donc, les trophées, sont des objectifs courts à faire. Lorsque complétés, vous gagnerez des récompenses, comme des titres, du boost et de l'argent. Ok, et donc, je pense que si je parle à SPNJ, j'ai les trophées. Complétez les 80 trophées disponibles à taverne et objectifs variés. Ok, donc... Ah ouais, donc, en fait, il y a... Ça c'est pas mal parce que pour quelqu'un qui jouerait solo ou même à plusieurs, il a son avancement de prestige, son avancement de trophée et les grimoires. Donc au final, ça fait on va dire trois types de quêtes différentes. Et tu peux vraiment avoir quelqu'un qui dit bah moi je farme que les prestiges, le reste je m'en fous. Un qui dit moi je farme, je ponce les trophées. ou un qui dit je ponce les deux, ou ainsi de suite. Et ça c'est vraiment cool, ça permet vraiment de varier les objectifs de chacun. Et de bah, soit quelqu'un qui dit je farme le grade, soit quelqu'un qui. Voilà. Ça, chacun peut faire comme il le sent et ça offre pas mal de variété, c'est intéressant. Et donc on a la taverne, donc là en fait tout ce qui est encens se récupère donc en farmant des mobs. Donc passif ou mince, agressif, je suppose en tout cas, et qui permettent avec ces encens de prendre des voilà. En fait, il y a la, on peut acheter voilà tout ce qui est rustique, les tickets de mine notamment.
Ok, ouais. Générateur à poule. On a 0 en sang, forcément. Ah oui, et donc la liste des créatures qui permettent d'avoir... Oh, ok. Donc en fait, avec tous ces mobs-là, par exemple, quand je tape des golems, j'ai 15% de chance d'avoir 40 encens. Et du coup, en fait, en farmant, on gagne des encens. Avec ces encens, on peut acheter des items, ou par exemple, voilà, comme là, un générateur à poules, et ainsi de suite. Donc il y a cette petite monnaie supplémentaire qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, en fait, ça c'est la même chose que ce qu'on vient de voir juste avant. Mais du coup, voilà, pour gagner des encens, faut... donc monstre. Donc je suppose que monstre, c'est que les agressifs, du coup. Hein. Et on peut looter des encens, avec ces encens on peut acheter des objets, des boosts à la taverne. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça c'est le concept est bien aussi. D'avoir une monnaie en plus que l'argent, logiquement. Oh, j'ai gagné de l'argent moi. Vous avez reçu un salaire. J'étais à 2 dollars. Ok. Si je fais slash ball, ça veut dire que je suis à 2 dollars de... Ouais, j'ai gagné 1000 dollars à être connecté. Bon, eh ben, on va aller voir ce hub. Je pense qu'on a déjà vu pas mal de trucs. Je sais pas si du coup il y a un slash... Quest. Ok, donc slash quest, du coup c'est les grimoires. Ok. Donc forcément, bah tiens, par exemple celui-là est gratuit, on peut le tester, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on aurait eu là? Miner 12 minerais d'émeraude. Ok. On a aussi... Ça c'est les clévotes, ok, qui n'ont pas un aspect de clé, mais c'est les clévotes. On va pouvoir aller les ouvrir aussi pour voir ce qu'on a forcément dans les caisses. Comment je rentre dans le portail? Ah, faut que je crée mon île. Ok, allez, on va créer l'île et on ira au spawn après. Non, on va aller au spawn d'abord. Je voulais avoir le spawn. À mon avis, on doit pouvoir faire slash spawn. Voilà. Ok, super. Ah, on peut pas voler ici. Mince. Ouh, franchement, déjà, j'adore moi surtout les spawns. Non, mais j'aime bien visiter les spawns parce que souvent, ça vraiment, ça permet de montrer pas mal de déjà de l'ambition du serveur, je trouve. Et là, on a vraiment déjà un superbe spawn, je trouve. Ouais, franchement, c'est canon. J'aime bien. Avec les shaders, ça rend super bien. Ok. Ouais, franchement, il est super sympa. J'aime bien. Bon, si on fait un petit tour. De ce que j'ai compris aussi, je crois qu'il y a à moitié des petites quêtes à confirmer. Là, je crois que c'est de mémoire. Mais je crois qu'il y a des petites quêtes en parlant des PNJ. Dans le spawn. À vérifier. Vous n'avez pas la clé spawner. Ok. Moi, je veux pas la clé, je veux voir ce qu'il y a dedans. Ok. Donc là on peut gagner, donc on a la caisse à spawner, forcément. Oh, je peux pas voler là, ça aurait été bien. Donc on a la caisse mystique, la légendaire, la précieuse. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ok, donc on peut gagner des grades, tout ce qu'on avait vu en mystique qui était en vente là. Canne à pêche, grimoire. Ouais, ok, il y a pas mal de choses, c'est intéressant. Mince, arrête de faire clic droit. Grade Merlin, générateur à cochon zombie, légendaire. Ah, il y a un abonnement. Poli. Comment? C'est quoi l'abonnement? Abonnement. Tenter comme ça. Oh, bah abonnement. Ok. Et donc l'abonnement permet d'avoir du condense, du slash hat, message toggle. Je sais pas ce que c'est. Anvil, les grimoires plus. Un accès à un magasin magique, on gagne de l'argent plus rapidement tous les 15 minutes. Du temps d'AFK qui est augmenté, ok. Et si on monte, je pense que c'est la même chose, ok. En fait, ce qui est intéressant, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, les systèmes de passe comme ça aussi sur un autre serveur. Ce que j'aime bien avec ce système de passe, c'est que, en fait, ça permet d'avoir des avantages qui sont globalement plutôt intéressants, je trouve. Mais ça permet aussi de soutenir le serveur dans la longueur. Et pas juste flex en achetant 15 millions de clés. Au moins l'avantage du pass, c'est que ça donne un avantage aux joueurs sans forcément, on va dire, éclater l'économie du serveur. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, de mon point de vue en tout cas. Et donc on a la caisse précieuse. Qu'est-ce qu'on a dans cette caisse précieuse? Clé mystique, lame précieuse. Donc tout ce qu'on avait vu en précieux, les entonnoirs, des shulkers. Générateur à vache. C'est drôle que ça s'appelle générateur parce que c'est un spawner, mais c'est la même chose en soi. On a des boosts de job avec du temps. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Elle est où la fameuse de vote? Ah bah elle est là. Caisse vote. On va aller regarder hein, ce qu'on peut gagner avec ce que j'ai. Un entonnoir. Un ticket de mine. Ça c'est intéressant. Du coup, c'est-à-dire qu'on pourra aller faire un petit tour. Un piston, piston.
grimoire, boîte de shulker, éponge et 20 000 dollars. Intéressant. Donc le ticket, on va voir après. Récolter, donc là on a eu, donc là on pourrait récolter des fèves de cacao, donc ça nous ferait lancer par exemple une ferme là-dessus, et du pot de zol, ok, très bien. Et du coup je suppose qu'avec ce ticket de mine, slash mine, non, ah, bah en fait juste comme ça, en fait j'ai cliqué et je suis à la mine, ok. Ok, en fait on a différentes phases de mine. Et je pense qu'il se débloque au soit au fur et à mesure des grades. Ou non, juste en fait en fonction du ticket qu'on a, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et donc là, potentiellement, on peut aller. Je sais pas. Non. La partie hardou qu'on peut miner. Allez, on se retrouve après que j'ai demandé un petit peu au staff. Ok, j'ai compris. En fait, à la mine, faut casser les blocs de lumière. Et c'est des pseudo blocs derrière, à la style one block, qui permettent de miner. Mais c'est génial. C'est génial comme idée. Parce qu'en fait, là, on a une belle mine qui a un beau décor. Et en fait, il y a juste les blocs de lumière à casser. Le concept est trop bien. Franchement, le concept est génial. Mais c'est génial comme idée. Ok, en fait ça fait pas juste un gros carré où tout le monde s'explose les trucs et au final il y a plus rien quand on arrive. Ah ouais, ça me plaît bien. Ok. Bon bah voilà, on aura vu la mine même si ça a mis du temps. Je suppose qu'il va y avoir une mise à jour de Noël qui arrive bientôt hein, en ayant vu ça. Donc en parlant, je parlais du concours tout à l'heure en début de vidéo. Ce qui va se passer, c'est que tous les 25 likes sur cette vidéo, puisque elle va être aussi partagée sur le Discord d'Holisky, si vous mettez votre pseudo in-game ou que bah, vous rejoignez le serveur et que par défaut aussi vous mettez, bah, d'ailleurs voilà, si vous mettez votre pseudo sur les commentaires de cette vidéo, tous les 25 likes, bah, 25 pouces bleus sur la vidéo, il y aura 250 crédits à gagner pour bah, parmi ceux qui auront mis leur pseudo. Donc si vous avez envie de jouer sur le serveur ou voilà, bah n'hésitez pas à le rejoindre. Comme je dis, je mettrai les infos. Mais surtout vous avez une possibilité de gagner les crédits. Supposant que avec des crédits, il y a quand même des choses à faire. Si je vois 250 crédits, bon bah les clés mystiques, ça m'étonne pas qu'elles soient un peu chères. Qu'est-ce qu'on peut avoir par exemple? On a les objets spéciaux. Ouais, c'est pas si cher que ça. Donc en plus vous pouvez même peut-être gagner deux fois s'il y a beaucoup de likes. Non, là il y a une pelle mystique par exemple. Non, c'est voilà, ça peut alors je sais pas combien coûtait cela par contre, mais ça peut, si ça vous intéresse, autant mettre votre pseudo en dessous et liker la vidéo parce que ça pourra toujours être ça de prix. Ben voilà, vous pouvez acheter des spawners avec ça. Non, c'est voilà. Si vous avez envie, en tout cas, ça peut toujours être ça de gagner pour vous. Voilà, ça fera 25, ça fera 250 crédits sur le jeu. C'est toujours bon à prendre. Bon, ben on va faire le petit yes create pour voir. Ah, île paisible. Ok. Il a l'air d'avoir qu'un style deal. Hop là. Ok. Elle est plutôt sympa l'île. Alors j'avais vu une vidéo parmi qui avait été faite sur YouTube où ils disaient que volontairement ils n'avaient pas voulu mettre une grande île, et en soi je les comprends parce qu'en général qu'est-ce qu'on fait de cette fameuse île? On la défonce pour en faire une plateforme et c'est tout. Donc c'est pas plus mal de pas en avoir fait une grande île. En tout cas, même si elle est pas grande, celle-là, j'adore le style. Elle est super bien faite, il y a énormément de détails, même ça paraît pas grand-chose hein, mais le petit panneau là, la petite trappe. Bon après on peut faire ça et puis ça devient un truc dégueu mais... Non, en vrai c'est plutôt pas mal. Dans le coffre je suppose qu'on a les choses, voilà. L'eau, lave et puis histoire de quoi commencer quelques fermes, un peu d'expérience. Mais ok, l'île est même plutôt sympa, hein. Franchement j'aime bien. C'est plutôt... ouais, c'est plutôt cool. Ah oui, et donc dernier truc que je voulais voir, yes, upgrade. Donc qu'est-ce qu'on peut augmenter? Donc forcément le nombre de membres. La taille de l'île. Donc sachant que si là on est par 50, on doit monter de 50 en 50.
100, 150, ça doit faire 2 ou 300, je pense. Je sais pas quel est le max du coup, mais là, en calculant si c'est tous les 50, ça ferait 200. Je suppose. Donc forcément, le nombre de membres. On peut augmenter son générateur à cobble. On peut augmenter le débit d'entonnoir. Ça peut être intéressant quand tu commences à avoir des grosses fermes quand même. Et on a la vitesse de plantation, ça aussi. Donc en fait, c'est pas mal parce que là, au niveau des augmentations, on a vraiment que des choses orientées farm. Et ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Franchement, c'est plutôt pas mal. Quand on regarde l'île là comme ça, elle a quand même un sacré flow, je trouve. Avec le shaders là, c'est franchement pas mal, ouais. Hop. Bon, forcément, j'ai fait les captures en même temps, hein, ça servira à la miniature. J'espère que d'ailleurs les miniatures que j'essaye de faire maintenant vous plaisent un petit peu, que les nouvelles qui sont faites sur certaines des vidéos, au moins une sur deux. Parce que j'avais envie de faire appel à quelqu'un qui sait faire des miniatures et je suis plutôt satisfait du résultat. Donc voilà. Donc on va retourner finir la vidéo sur le spawn. Hop. Ah oui, c'est vrai que je peux pas fly au spawn. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus. Si vous avez envie de rejoindre le serveur, bah, l'IP de toute façon c'est play.holysky.fr. C'est à partir de la version 1.16 et supérieure. Donc si ça vous donne envie, n'hésitez pas à le rejoindre. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et votre pseudo sur le serveur dans les commentaires, puisque vous aurez des chances de gagner 250 crédits. Et puis ben, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et puis je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Nos. Salut!